Bonjour tout le monde, c'est Gonal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, tout simplement, présentation de la map que j'ai créée, donc qui s'appelle la map hongroise. Donc qu'est-ce que c'est comme map? C'est une map en fait prise sur, on va dire, les paysages de Hongrie, Russie un petit peu dans le style, même si c'est pas vraiment... C'est pas vraiment russe, plutôt allemand peut-être. En tout cas des pays de l'Est, Pologne aussi. C'est ce que je dirais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays qui ressemblerait? Tout ce qui est Slovaquie aussi, je crois. Ça ressemble un peu. Donc c'est une map donc, qui ressemble un peu à tout ça. Donc bon, vous voyez la petite page donc, qui n'a rien pour l'instant, mais comme vous pouvez le voir, c'est une map 0.5. C'est-à-dire que c'est pas une map 0.1. 0, non. C'est une map V1, donc c'est pas une map définitive. Dans quelques semaines, je vais poster le deuxième opus. Donc, si je dis ça, je voulais dire que c'est pas moi qui l'a créé, enfin, qui l'a créé, si, c'est sur une idée de Monsieur Simulalite. Voilà, je tiens à le préciser, pour pas qu'il m'incendie dans les commentaires. Donc, t'inquiète pas, je te nomme, c'est bon. Tu es nommé, donc voilà, tu es nommé dans la vidéo. Donc c'est toi qui m'as contacté, c'est toi qui m'as dit, oui, bonjour Gwendal, voilà, j'ai ça sur Google Maps, est-ce qu'on pourrait refaire un truc dans le style? Bon, voilà. Donc moi j'ai dit oui, pas de problème, et je ai fait ça d'une main de maître. Bon, on va démarrer. Alors, qu'on se plaît, on s'en fout un peu. On va ça. Donc on spawn tout simplement, enfin on spawn. On atterrit devant une maison. Donc une maison, une grande maison. Et donc on va tout de suite découvrir la ferme. Alors, c'est une map pas trop mal. Avec un petit peu de bug. Alors moi personnellement je bug pas des masses. Mais bon moi j'ai un i5. Et c'est vrai que ceux qui sont sur PC portable peuvent bugger un petit peu. Mais après, ce que j'ai tenu aussi à faire, c'est que j'ai pas tenu à faire une grosse map. Elle fait 153 MO je crois. Donc c'est vraiment pas une grosse map hein. Voilà, et puis je pourrais même encore la réduire. Je pourrais même passer en dessous des 150 MO. Donc bon, je pourrais encore enfin ralentir, rabaisser un peu la taille. Donc on a tout simplement sur cette map des vaches. Donc les vaches sont pas tout à fait finies. Vous pouvez avoir quelques bugs parce que vous voyez du fumier qui monte en gros et de la paille. Vous pouvez avoir quelques bugs, hein, vous pouvez avoir quelques bugs. Malgré aussi la nourriture de ce côté-là, j'ai pas vérifié si ça marchait. De l'autre côté, j'ai vérifié si ça marche, mais de ce côté-là, j'ai pas vérifié si ça marchait. Donc peut-être pour la nourriture avoir quelques bugs, mais vous inquiétez pas, je vais sortir une nouvelle version avec les trucs améliorés. Aussi, on peut aller vendre le lait, donc ce qui est pas trop mal. On peut aller vendre le lait, on peut aller vendre le lait à la laiterie. On va faire un petit tour de pick-up. Par contre, je baisse le son. Oui, c'est vrai que c'est à 100. Alors, si c'est à 100, ça peut-être pas le faire. On va mettre à 30, 40, 30. Voilà. Aucun champ n'est acheté de base. Donc, il va falloir les acheter pour commencer. Les champs aussi ne sont pas... Enfin, le prix des champs n'a pas été vraiment fixé. J'ai mis... J'avais les trucs de base et puis j'ai fait un carré histoire que ça rentre dedans. Mais il peut y avoir quelques bugs, hein. Il peut y avoir quelques bugs, notamment tout ce qui est hectare et prix. C'est pas réel du tout, mais ça va venir dans la prochaine version. Voilà. Un truc que je voulais dire quand même, c'est que là on en a deux. Et là on en a deux. Donc après ça monte par là dans les cellules. On en a deux, donc un truc que faut préciser, c'est que ici c'est pour le blé et ici c'est pour l'orge. Sinon ça ne marche pas. Tout ce qui est maïs, colza, donc le maïs se met là, le colza se met là. Donc c'est vraiment des trucs qui montent très 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 haut. J'ai pas fait un exemple là, mais bon, ça monte assez haut. Bah, ça monte en fait, si vous voulez, jusqu'au bord en béton. Hein. Donc ça monte vraiment très haut si on le charge à fond. Et les sucres bêtes qui sont là, d'ailleurs j'ai quelques bugs avec les betteraves, mais c'est pas grave, ça va être réglé dans la prochaine version. Donc ici on peut tout simplement acheter le carburant. Aussi on monte dans la ferme. Alors oui, bon, je vais vous dire après. Ouais, j'ai acheté mon pick-up maintenant, avant que j'oublie. Parce qu'après je vais dire ouais machin, j'oublie d'acheter le pick-up.
Ah, puis c'est vrai que j'ai enlevé le mode cheat d'argent. Bon, encore heureux qu'il y a ce système-là. Parce que sinon, on aurait pas de voiture. On va la prendre en blanche, allez. Très bien. Bon, je vais vous faire visiter la ferme, je vais continuer. Donc la ferme, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à continuer? Donc là, il y a tout simplement tout ce qui est semences. Bon, je vais peut-être mettre un peu beaucoup de néons, hein. Mais là, il y a tout ce qui est semences. Donc là, vous pouvez venir ici prendre vos semences. J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait le water mode pour les vaches. Donc là, bel étang avec un shader. Voilà, un peu de shader bleu. Ah, c'est bien fait d'ailleurs. Là, il y a aussi. Donc là, on peut prendre le fertiliseur. Alors, ça bug un petit peu. Enfin, cette image-là bug un peu. C'est pas très grave. Ensuite, là, on a tout ça, on a les triangles. Le triangle. Le problème avec les triangles, c'est que je voulais. Ils sont dans le prochain. Dans la V1, ils seront reskinés. Hein, tout simplement. Ils seront reskinés vert à la couleur de tout. Même le petit silo là-bas. Sera un peu reskiné aussi. Donc là, le water mode ici, là on peut charger. Alors j'ai fait en sorte qu'on puisse charger de l'extérieur et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le pré pour charger ça. Voilà. C'était une petite. Petit truc à moi. Ensuite, ici, donc on a tout ce qui est fumier. Alors, je m'excuse. Je m'excuse en fait, mais à la base, il devait y avoir des particules. Enfin, de la fumée qui monte. Sauf que j'ai oublié de la mettre. Non, j'ai oublié de la mettre, mais bon, c'est pas grave, ça sera mis dans la V1. Ici, il y a deux silos de comment ça s'appelle? De silos de ensilage, voilà, qui vont disparaître. Donc vous voyez, ces deux petits silos comme ça, si je me mets sous la terre, deux silos comme ça, qui vont être changés en un gros silo. Voilà, ou deux gros silos. Mais en tout cas, ça va être changé. Et pareil, la ferme va être changée aussi. Parce que c'est un peu vide. Voilà. Alors bon, j'ai pas encore modifié tout ce qui est véhicule. Mais tous les véhicules, c'est vrai que les véhicules spawnent assez à la. Enfin, spawn sur. Spawn parce qu'en fait, le default véhicule n'a pas été changé. Bon, voilà, peu importe. Donc ici, le petit concessionnaire. Bon, voilà, un petit concessionnaire très simple. Très facile à faire, très rapide. Donc là, pareil, concessionnaire gender. Le concessionnaire va changer, hein, vous inquiétez pas. Et va devenir sans doute un concessionnaire classe. Bon, j'ai juste fait ça histoire de. Ici, on a donc le biogaz. Biogaz assez petit. Peut-être qu'il va s'agrandir un peu au cours de. Bah, peut-être pas la V1, mais peut-être d'autres versions. Notamment en termes de bunker. Donc là je crois que je vais vraiment mettre un truc beaucoup plus gros. Et on va rester pareil sur deux silos je crois. Avec un petit hangar au cas où vous voulez ranger votre grosse machine. Enfin vos machines. Voilà, peu importe. Puis ici on peut prendre le lisier. Bon ça pareil ça va changer je crois aussi. Je vais faire un truc un peu plus RP que ça parce que ça fait un peu pourri. Ensuite, donc on ressort par là. Donc il y a des. Bon, après, vous n'êtes pas obligé enfin, d'en prendre compte, mais j'ai mis plein de panneaux de panneaux d'interdiction. Voilà. Donc essayez d'en prendre conscience. Bon, voilà le petit village. Toutes les maisons ont repris de la BP, vous l'avez reconnu. La laiterie. Pareil, repris de la BP. la laiterie, voilà. Bon, c'est simple, qui va aussi, je pense, changer. Mais bon, enfin, ça va être. On va voir ça dans les prochaines versions. Donc là, on arrive à la ferme. Le grain. Voilà. Donc devant les champs, il y a des petits cadenas hein, pour acheter les champs. Je tiens à vous le dire. Donc là, il y a un parking. Machin, bon, vous avez vu. Ensuite, donc là. Je vous explique un peu le fonctionnement. Donc là, on arrive avec notre grain. Peut-être continuer, enfin, peut-être boucher un peu plus ce trou. Parce que normalement on n'est pas censé passer. Parce que normalement quand ils vont chercher du grain ou même vendre, enfin vider du grain à la ferme, on passe par là comme ça au moins on a tout à portée de main. Et voilà. Et donc on a tout puis on peut ressortir facilement. Voilà. Et puis en plus on peut prendre notre grain là. Alors peut-être je voulais à la base je vais peut-être échanger je crois. Parce qu'en fait quand on prend le grain là, donc grain qui est relié à tout, hein.
Mais d'ailleurs, petit tuto, je crois qu'il va être modifié. Donc quand on prend le grain là, donc bien sûr on peut prendre que le grain qui est dans les silos, donc c'est-à-dire le blé et l'orge, hein, on peut pas prendre le reste. Le reste, bah, faut prendre dans les cases. Du coup, bah, après c'est vrai que ça nous ferait hyper droit pour aller là. Donc, du coup, changer un peu le circuit. Bon, on verra ça, c'est pas urgent, urgent, j'ai envie de vous dire. C'est du plus. C'est vraiment du plus. Voilà. C'est vraiment du plus. Sachez aussi que je n'ai pas mis de bord de map. Donc vous pouvez aller vous jeter dans le vide. Bon, si vous voulez jouer, c'est un petit peu embêtant. Mais bon. Je vais vous faire un peu découvrir aussi tout ce qui va être paysage. Parce que j'ai mis du temps. Ça m'a pris pas mal de temps à faire tout ce qui est paysage. Pour vous dire, je me suis tapé toute la série des briquettes du tigre. Et ben, je peux vous dire que la série dure. C'est environ 36 épisodes de 1 heure. Donc 36 heures. En gros, à peu près. Pour faire rien que les. Ça m'a pris 4 jours, je crois. Un truc comme ça. Ça m'a pris assez longtemps, en tout cas. Donc voilà, donc bon, vous avez des petits cadenas à l'entrée des champs. Très beau. Enfin, moi, je trouve ça assez beau. Ça va être un peu. Des fois, il y a des petits arbres qui volent, étant donné que bah, du coup, j'ai été obligé de faire ça avec des arbres. Voilà. J'ai été d'ensemble des arbres et puis des haies qui existaient déjà sur des maps. Et donc, du coup, bah, je vais du coup modifier ça. Parce que des fois il y a des arbres qui volent et qui volent, c'est pas très bien. Bon, ici on peut tout vider. Alors ici on voit de l'eau, j'en m'en excuse, mais dans la prochaine version on n'en verra plus. Et ici on peut vider tout ce qui est patates et betteraves. Voilà, enfin dans l'inverse, betteraves et patates. Voilà. Après vous faites un petit demi-tour et vous allez sur la route. Alors sachez que ça va être amélioré aussi dans la version 1. Voilà, ça va être à base de. Oui, donc le simulateur Auvergnat qui m'a appelé. Donc du coup j'ai coupé puis j'ai repris maintenant. Bon, en tout cas, voilà, beau paysage. Alors là c'est vrai qu'il manque de l'herbe, bon ça viendra dans les prochaines versions. Là-bas, voilà, on a une petite forêt à droite et on a une grande forêt, une forêt assez vaste. On peut voir le bord de la map, hein, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, ça va être amélioré. Une belle cascade d'eau, bon là pareil qui va être assez améliorée puisqu'on se demande un peu d'où elle vient cette cascade d'eau. Un passage à gué, ça fait plaisir. Peut-être qu'on va améliorer, puisque vous voyez les routes. Bon. Peut-être passage de quai qu'on va un peu rallonger. Enfin, dans la largeur du lit de la rivière. Bon, voilà, après, il n'y a trop rien à voir. Peut-être ajouter un truc dans le fond de la map. Malgré quand même qu'il y a de très très beaux paysages. Enfin, moi je trouve quand même que les paysages sont vraiment pas dégueulasses. Ça fait vraiment des vrais paysages polonais, hongrois. De Hongrie, bien sûr. Et voilà, moi je trouve vraiment que ça fait un truc assez propre. Sachez que la map va peut-être un peu s'agrandir étant donné qu'il reste encore de la place hein, sur le terrain. Donc map qui va peut-être encore un peu s'agrandir. Mais bon, pas de beaucoup je pense. Hein. On va rajouter un champ, deux champs grands maximum. Mais voilà, map qui va pas vraiment plus s'agrandir de ouf. On va retourner à la ferme. Donc bien sûr je connais map par cœur étant donné que j'y ai passé pas mal de temps dessus. Voilà. Donc, imaginez, regardez ça, si c'est pas un beau paysage, je sais pas ce que c'est. Hein. En plus, en camion un peu vieillot, ça donne vraiment bien. Pour avoir testé, voilà, je vous dis, ça donne vraiment bien. Bon, après, voilà, il y a des grands, grands champs. Donc voilà, je vous conseillerais des grands mods, hein, clairement. Des semoirs de je sais pas combien de mètres de large. Et surtout, c'est une map, en fait, à la base, quand je l'ai créée. Et j'y ai pensé, c'est une map pour jouer en difficulté. Enfin, en difficulté au max, quoi. Je sais pas c'est quoi le mot. Mais en tout cas, c'est pour jouer en difficulté ultime. Parce que, en fait, la map, c'est une map assez grosse. Et une fois qu'en fait, on a acheté un champ, et bah, c'est tellement gros. Enfin, ils sont tellement grands, les champs, que, bah, du coup, on peut faire des récoltes, voilà, de ouf. Alors dans la prochaine version, on va y avoir quand même, enfin, je vais quand même vous peut-être offrir un champ à la base, bon pas semé, hein, parce que vous démarrez à le semer quand même. Il y a des petits problèmes aussi sur le bord, enfin sur les routes. Mais c'est vrai que du coup, on va peut-être offrir un champ, voilà à la base. Et en tout cas, on va peut-être ranger un peu mieux les véhicules parce que là, ils sont un peu au milieu de nulle part. Ils sont au milieu de l'avion, on sait pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi moi, mais parce que je n'ai pas modifié. Mais peut-être le modifier un peu avant que je mette en. Ouais, bon, on verra bien. On verra bien.
On verra bien si je le modifie un peu avant de le mettre en upload. Voilà, en tout cas, moi je trouve ça. Moi personnellement, je trouve ça une très belle map. Je vais. Enfin, je me vante. C'est pas. Je me vante pas en disant ça. Mais en disant, voilà, putain, tout ce qui est. Tout ce qui est plante. Tout ce qui est plante, arbre, tout ça, je trouve vraiment que c'est beau. Enfin, c'est beau à voir. Donc, puis les arbres, c'est pas qu'ils aient créé les plantes non plus. Voilà, moi j'ai créé aucune 3D dessus. J'ai reskiné juste quelques trucs, mais voilà, j'ai pas. On va dire que j'ai pas. Enfin, mis de la 3D. Fait de la 3D. Donc, forcément. Je sais pas si vous avez entendu éternuer, bon, peu importe. C'est pas très grave. Bon, voilà, en tout cas, pour vous présenter un petit peu le truc. Bon, voilà, c'est une map très. Enfin, très grande, tout en étant petite en fait, tout simplement. Peut-être ajouter dans des prochaines versions une ETA. Bon, de toute façon, j'aimerais bien ce que vous me dites en commentaire. J'aimerais bien ce que vous me dites si vous mettez des petites objections que je trouve vraiment pas mal ajoutées. Bah, du coup, je les ajouterai, pourquoi pas. Avec plaisir, voilà. Donc là, voilà, encore un hangar. Voilà. Là, c'est un hangar pour stocker de la paille. À la base, les triangles, enfin, j'ai mis ça comme ça pour stocker de la paille, mais au final, je crois que ça va servir à autre chose parce que ça fait un peu bizarre en fait. Si vous voulez, ça fait un peu bizarre des trucs comme ça. C'est pareil, le fumier, c'est assez chaud aussi. Le fumier, bon, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Voilà, en tout cas, on va acheter des petites vaches voilà, pour vous dire que ça donne bien. Il n'y a pas encore de moutons et de poules. Parce que je sais pas où les mettre, je sais pas du tout où les mettre, mais pourquoi pas en rajouter, hein, bon, merde, j'ai plus d'argent. Pourquoi pas en rajouter, dans les projets, hein, dans les projets d'en rajouter, pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas en rajouter, alors, je sais pas où on va les mettre, clairement, mais on va les rajouter, c'est pas grave. En tout cas, voilà, très belle map, moi je trouve vraiment, voilà, très belle map. Alors, par contre, je sais pas s'il rentre dans le hangar. On ne rentre pas dans le hangar. Ah si, voilà. Ah, et voilà, quelques petites textures qui bug. Bon, c'est pas très grave. Sachez que normalement, aucune vache passe à travers les murs. J'ai fait gaffe. Pour vraiment bien qu'elle respecte les trous. Voilà. Mais bon. Aussi, un truc. Mettez-le-moi en commentaire si c'est bien. Mais peut-être faites reskiner les bâtiments pour qu'ils aient une apparence un peu plus vieille. Un peu. À cette apparence là en fait, si vous voulez, à cette apparence là pour qu'ils soient vraiment un peu plus vieux, pour qu'ils aient l'air un peu plus vieux. Bah, dites-moi en commentaire si c'est bien, enfin un peu voilà, comme ce bâtiment là aussi qui a l'air un peu plus vieux que les autres. Je trouve ça pas mal après de la voir si c'est bien. Aussi voilà, je voulais prouver si donc on va mettre la nuit. Normalement les néons s'allument, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est voilà, c'est des néons fonctionnels, hein, c'est des néons qui s'allument. Qui sont fonctionnels, donc j'en ai mis un peu partout, et c'est vrai qu'en tout cas, quand on travaille la nuit, c'est vraiment agréable. Donc il n'y en a pas dans la stabu, bon, j'en rajouterai. J'y ai pensé juste avant la vidéo, j'ai dit putain, merde, j'aurais dû mettre des trucs dans la stabu, et donc du coup, c'est vrai que j'en ai pas mis dans la stabu, mais dans la stabu, ça va venir, hein. Je vais mettre ça, voilà, et donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter? Si pour le lait. Pour le lait, bah, c'est du milk. Alors vous pouvez prendre tous les ceux de la BP marchent très bien. Voilà, c'est juste comme ça que je voulais dire ça. Ça marche très bien. Donc voilà. Et donc voilà. J'aurais rien d'autre à dire. Il se peut que le fumier bug, mais ça c'est normal. Je sais. Je l'ai un peu, enfin, je l'ai un peu modifié le fumier pour qu'il bug moins. Mais j'ai pas testé une game pour tout vous dire. J'ai pas testé une game, donc je sais pas s'il bug moins ou s'il bug pareil. En tout cas, alors que les vaches sont mortes. Enfin, non, elles dorment. Je déconne. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. La map est vraiment pas trop mal, moi je trouve. Peut-être un peu haut. La map est vraiment pas trop mal avec tous les bunkers à fumier. Quand on fait du fumier. Pas intéressant. Peut-être améliorer tous les bunkers à fumier aussi qui sont un peu. Bon, peu importe. On verra ça dans une prochaine version. En tout cas, le lien de la map est bien sûr en description de la vidéo. Et vous pouvez la télécharger avec délicatesse. Non, on dit pas ça. Bon, c'est pas grave. Téléchargez-la, ça me fait vraiment plaisir. Et rien que même
pour la tester. C'est cool. Et sachez qu'avec normalement LSA, on a un projet de record du monde sur cette map là. Voilà. J'en dis pas plus. On en parlera. On en parlera. On en reparlera en tout cas. Mais on a un record du monde en fait, qui est de semer tous les champs en maïs et de tous les récolter en sans arrêt. Enfin, en gros, comment dire, sans. Donc on va être sur le serveur LSA, puis on va être. Je sais pas combien, mais en gros, on va tout devoir récolter. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça, voilà. En attendant, portez-vous bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à plus, tout le monde.